Suntem la a cincea ediție a târgului de carte, Elephant Fest. Este cel mai mare târg de carte online, organizat în România și Republica Moldova. Este o tradiție care noi am început-o acum 2 ani. Un eveniment care se organizează în fiecare primăvară și toamnă a anului. La fiecare ediție am avut o țară cu statut special de invitat. Anul acesta este Franța. Și vreau cu această ocazie să-i mulțumesc Ambasadei Franței în România și mm -hmm. Institutului Cultural Francez. Ca orice târg va veni cu multe lansări de carte, noi va veni cu surprize. În esență, un maraton de zeci de lansări noi, autori români, autori din, din străinătate care vor fi scoși în prim an. Bonjour à tous. C'est pour moi un immense honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous pour cette cinquième édition de Elephant Fest Et pour la première fois, la France est invitée d'honneur. Je voudrais saluer, remercier très chaleureusement le directeur Sergio Keka qui a fait cette proposition. Elle est tellement justifiée aujourd'hui. D'une part parce qu'en France, on a considéré la lecture et le livre comme une grande cause nationale, un grand sujet, à la fois pour les jeunes, à la fois aussi pour l'éducation. Et nous pensons que les fins de remplissent également ce rôle de pouvoir pousser à la lecture les jeunes, les moins jeunes. Et puis, nous nous trouvons une année de très grande coopération franco-roumaine. Euh, rien de plus important que les liens littéraires et les liens par le livre entre la France et la Roumanie. Par le passé, on a toujours vu que Marcel Proust, ici, était lu pendant les années 20, les années 30, presque autant qu'à Paris, qu'il y a eu cette admiration pour les grands auteurs français. Et puis il y a eu des liens tellement euh, importants entre la France et la Roumanie par les grands auteurs. Évidemment, je pense à un bibliothécaire de l'Institut français juste après guerre, c'était Roland Barthes, le grand linguiste et le grand écrivain, mais c'était aussi euh, Émile Thioran, c'est aussi euh, tous les euh, fondateurs du mouvement surréaliste qui étaient en même temps des écrivains. Alors euh, donc euh, c'est une occasion entre la France et la Roumanie de célébrer les liens littéraires. Et la littérature. Bien sûr, quand Elephant Fest a été lancé, l'idée c'était de lancer la littérature et de penser à la littérature en période de pandémie. Et aujourd'hui, en période de crise, nous devons également penser à la littérature comme un moyen très important de réflexion, de débat, mais aussi pour nous souvenir que si nous avons œuvré en partie dans le passé, à construire notre identité, c'est souvent grâce aux livres et c'est souvent grâce à des penseurs, à des très grands penseurs, euh, français et roumains, que nous avons euh, construit la paix. Alors bien sûr, le livre euh, et le salon du livre en ligne pour nous est quelque chose aussi de novateur, euh, nous permet aussi de penser que le livre est accessible partout. Quand on a une tablette, quand on a un ordinateur, quand on a un smartphone, quand on a envie de se déplacer, on peut accéder à du contenu à du contenu de savoir, mais aussi du contenu en livres et en romans. On se souvient aussi que les libraires ont souffert pendant le confinement et qu'on avait besoin de relancer, à travers ce type d'initiative Elephant Fest, euh, le fait que euh, la littérature et le livre étaient si importants à nos sociétés. Alors, enfin, euh, je mettrai l'accent sur la francophonie. Vous me permettez de parler en français et c'est un grand bonheur. Parce que nous avons fait les états généraux du livre en français. Pendant toute l'année 2021, nous avons pensé qu'au-delà de la communauté de langue entre la France et la Roumanie, c'était tout l'espace francophone qui devait être stimulé. Et Chaque fois que nous organisons, par exemple, un prix littéraire, c'était encore le cas euh, cette année avec le prix Goncourt en Roumanie, c'est un auteur euh, du Sénégal qui est un lauréat. Ou bien quand nous faisons venir des auteurs pendant euh, le salon euh, du livre ou le euh, salon des, des, des étudiants, euh, nous pensons toujours au-delà de la France à faire venir euh, un écrivain qui vient du Canada ou du Québec ou euh, un écrivain qui vient de Tunisie ou du Maroc. Donc merci à tous, euh, je vous souhaite un très bon Elephant Fest Festival et euh, je souhaite à tous les amoureux de la lecture de continuer, de garder cet amour puissant. Euh, car c'est ce qui nous fonde, c'est ce que nous avons lu et c'est ce qui fait notre identité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors l'Institut français de Roumanie est extrêmement heureux de s'associer euh, cette année à Elephant Fest, qui est le salon euh, virtuel euh, du livre et de la lecture. Vous le savez, l'Institut français de Roumanie, c'est depuis près de 100 ans une institution euh, qui crée des liens entre la Roumanie et la France, des liens éducatifs, des liens universitaires et bien sûr des liens culturels. Et dans la culture, une de nos priorités à l'Institut français de Roumanie, c'est bien le livre, c'est bien la lecture. Euh, alors vous connaissez tous des grands noms comme Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Marcel Proust, dont on fête cette année le centenaire, mais il s'agit aussi pour nous de promouvoir toute cette création extrêmement dynamique, euh, contemporaine. Euh, qui euh, a toute sa place ici euh, en Roumanie, puisque euh, plus de 400 euh, ouvrages euh, sont traduits chaque année du français en roumain, et nous en sommes très heureux. Alors, cette édition met la France à l'honneur, et euh, vous pourrez découvrir euh, des auteurs contemporains autour de conversations et autour de présentations de livres, et euh, nous sommes très heureux euh, que cela puisse se passer durant ces prochaines journées. L'Institut français de Roumanie, c'est aussi des initiatives dynamiques dans le domaine du livre. C'est d'abord des médiathèques à Bucarest, à Cluj, à Timișoara, à Iași, mais c'est aussi des initiatives comme un plan d'aide à la publication, chaque année 30 ouvrages bénéficient de ce soutien, et c'est aussi des manifestations nombreuses autour du livre et de la lecture en lien avec tous les acteurs de la chaîne du livre, y compris d'ailleurs le grand moment annuel du prix Goncourt euh, de la Roumanie. Donc je voudrais d'abord euh, vous souhaiter de belles lectures parce que nous en sommes persuadés, la lecture c'est non seulement, je le disais, un lien, mais c'est aussi la capacité de s'ouvrir à de nouvelles expériences, euh, à de nouvelles vies peut-être, euh, et de s'enrichir euh, jour après jour euh, dans les lectures que l'on peut faire dans tous les formats. Hein. Vous voyez autour de moi ici. Euh, c'est des livres pour enfants ici à l'Institut français de Roumanie à Bucarest parce que évidemment la lecture pour enfants, eh bien, c'est par là que tout commence. Et puis, euh, je dresse toutes mes félicitations à Sergio quelqu'un et à toutes ses équipes pour cette excellente initiative. Et je vous souhaite donc de belles lectures et de bons moments. Et à très bientôt ici à l'Institut français de Bucarest.